Bonjour et bienvenue dans l'émission Rando Réunion. Je suis dans la commune de Saint-Denis et aujourd'hui on va faire un sentier un peu plus sportif. On va aller faire le sentier de la Roche Écrite. Le sommet, il est là-bas. Et ben on y va! Et ben voilà, au bout d'une heure et demie, j'arrive à un croisement, ça tombe bien, il y a un panneau. Alors nous, on va aller à la Roche Écrite, on est encore pour 2 heures. Mais il y a un gîte, ça sera notre point d'étape, on en a pour 30 minutes. On y va? Allez! Et ben voilà, au bout de 2 heures, j'arrive au gîte. L'avantage juste, c'est qu'on peut rester sur place et se lever très tôt le lendemain matin pour aller voir le lever de soleil. Nous, ce qu'on va faire, on va aller voir le sommet de la Roche Écrite. Il nous reste encore 1 heure et demie. Allez, on y va! Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bonjour, bonjour. Dites-moi, je sais pas vous, mais ça grimpe. Hein. Ah oui, c'est vrai que les bateaux, ils aident bien en montée et en descente. On s'accroche, ça nous aide. Et qui c'est qui vous a conseillé ce sentier de la Roche Écrite là? C'est mon guide la semaine dernière. Et il t'a dit ce qu'on peut voir là-haut pas? Apparemment, on a un beau panorama sur l'île. Et sur le piton des neiges aussi. Oui. Et ben voilà, notre randonnée jusqu'à la Roche Écrite se termine avec deux magnifiques points de vue et plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la randonnée, direction le site internet de réunion.fr. Bye bye!